Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va s'occuper de vider la stabu. C'est parti. Voilà, aujourd'hui il fait beau. Du coup, je vais en profiter pour vider la stabu des veaux ici, les droits des vaches du moment que j'y suis. Du coup là, elles sont toutes attachées. Puis je vais en profiter, ben, on va droit les sortir comme vous avez vu dans le vlog un week-end à la ferme. On va les sortir par là puis on va les mettre dehors. Elles devraient pas trop râler vu le temps qu'il fait. Du coup, on commence à faire ça, c'est parti. Là, du coup, on se retrouve. Là, j'ai fini de nettoyer, c'est prêt. Et puis, mon cousin m'a amené le Weidemann. Du coup, on va pouvoir commencer de charger tout ça. Là, on se retrouve. J'ai déjà commencé, vous pouvez voir que le Weidemann. J'ai déjà chargé une bonne benne, vous pouvez voir qu'elle est pleine. Et du coup, je vais vite enlever tout ce qu'il y a là que j'ai fait tomber avec le Weidemann. Puis après, je vous emmène avec moi pour aller vider. C'est parti! Artlist.io. Music licensing reimagined. Ah, vous pouvez voir, je pense que la benne est assez bien remplie, en tout cas de ce côté. Là, un petit peu moins. Bon, je crois qu'on va quand même y aller déjà avec ça. Avec le Valtra, du coup, ça c'est la benne, mais je vous ai jamais trop montré. Enfin, si vous l'avez vu quand on a fait la moisson, du coup, maintenant l'hiver, elle est utilisée pour le fumier. Du coup, c'est parti. Music licensing reimagined. Ah, comme vous avez vu, du coup, je viens d'arriver à vider la benne. Du coup, on va repartir pour charger la deuxième benne. Vous voyez qu'on a encore un petit peu du job. Ça sera en tout cas deux bennes, si pas trois. On va tout faire ça. Après, il faudra nettoyer vers les roues là-bas. Enlever les roues jumelées, mais voilà. On a bien du job, on s'en fera faire. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. I don't care, I love.
Reckless.io. Music licensing reimagined. Reckless.io. Music licensing reimagined. Là, on se retrouve presque une heure plus tard. Je vous ai pas trop montré, mais voilà, là j'ai dû enlever les roues jumelées pour faire ici. Vous pouvez voir que j'ai presque fini, encore deux fourches à prendre. Alors je peux vous dire que c'est plus que compliqué, c'est vraiment chiant. Il faut tout le temps baisser la tête, c'est vraiment hyper limite. Hein. Faudra qu'on fasse la prochaine, c'est d'agrandir la porte là-bas. Qu'on puisse de ressortir le fumier par là-bas, parce que ici... Ah, je vous dis que je galère, alors ça c'est sûr. Puis regardez le tas de fumier que j'ai fait ici. Parce que du coup, puisqu'il est que sur. Il a pas les roues jumelées, bah, il est trop bancal. Du coup, si je charge ça dans la benne sans les roues jumelées, il veut verser. Du coup, c'est pour ça que j'ai tout mis là. Puis après, une fois que j'aurai fini, je remets les roues jumelées. Puis je continue de charger dans la benne. Et puis voilà, du coup, je continue ça. Puis je vous montrerai un peu quand j'aurai fini, je pense. Ou bien. Voilà, ça joue. A plus! Voilà, bah, vous pouvez voir que j'ai terminé cette fois, c'est vide. Et puis du coup, bah, je vais recommencer à remettre la paille, du coup, je vous montrerai, j'ai fait 3 bennes. Puis après, on va vite la laver, je vous montrerai quand je la lave, vite fait, j'ai déjà lavé la fourche crocodile. Mais c'est bien allé au final, pas trop de problème. Du coup, voilà, ça fait assez propre, ça va faire du bien pour ces gros parce qu'ils étaient vraiment roux. Du coup, je vais remettre cette paille et puis on regarde, on se revoit après. Là. La paille est allée déjà vers les veaux, j'irai descendre le reste après. La benne est lavée, vous pouvez voir. Le pinceau aussi, tout est nickel. Du coup, je vais aller profiter de ramener la benne puisqu'on l'a en deux chez l'autre qui l'a aussi. Et puis on se reprendra après, on va sûrement aller mettre la paille le reste de l'écurie, je vous montrerai après. Puis après, je pense qu'on sera bon. Là! Je suis enfin prêt, comme vous pouvez voir, paille mise, tout qui est propre, c'est nickel comme neuf. Du coup, on va pouvoir aller rentrer les bêtes. Et puis voilà, en tout cas, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ça fait depuis 10h ce matin que j'y suis. Puis là, il est 3h. Puis j'ai pas dîné à midi, j'ai pas fait de pause. Donc ça prend bien du temps. Mais au moins, c'est propre, c'est nickel, c'est bon pour nouvel an, puisque je tourne ça le 31. C'est bon de nouveau pour un mois à peu près. Puis du coup c'est nickel. Du coup voilà, on va rentrer les bêtes, je vais vous montrer. Après j'irai encore vous montrer le tas de fumier en bas, à quoi ça ressemble maintenant. Je vais vous expliquer ce qu'on va y faire dessus. Allez. Bon, je crois que tout le monde est content de venir dedans. Ils ont toute soif. Il n'y avait pas d'eau dehors. C'est toute faim surtout. Oh, voilà. On n'a pas été fraîche. Ouais, c'est juste sur l'eau. Voilà. Là, on se retrouve. On est juste le lendemain. Je voulais venir vous montrer du coup le tas. Hier, j'ai pas pu vous montrer. Vous êtes déjà nuit. Du coup, hier on a amené la troisième fois qu'on a amené du fumier. Mon oncle en avait déjà amené deux fois, je crois, ou bien trois, je sais plus.
Moi j'ai ramené ce qui est un peu plus frais ici. Puis du coup, pourquoi est-ce qu'on les met, on met ça au champ et pas en fumière ou comme ça? Alors premièrement, parce que du coup, ouais, comme je vous avais dit, on n'a pas assez de place pour la fumière, pour tout stocker l'hiver. Et puis deuxièmement, ce qu'on fait, c'est qu'en mettant comme ça, après on va le bâcher. Et puis il y aura une machine qui va venir le composter, si vous voulez, ça va tout le remuer, le mélanger. Et puis ça va, la paille, elle va devenir, ça va la couper aussi un petit peu, elle sera plus fine. Et puis ça va faire comme au printemps, ben on fait en général deux passages de ça. Puis comme ça au printemps, c'est tout, ben je pourrais aller vous montrer, c'est comme le tas qu'il y a plus loin. On veut droit aller voir, je vais vous montrer. Et puis comme ça, ça s'épand tout facilement sur les champs. Et puis ça s'enlève... ouais, c'est hyper facile après aussi pour que les plantes elles peuvent mieux l'ingérer aussi. C'est plus simple du coup, voilà. Puis c'est une méthode qu'on aime bien. Juste que quand on l'aura couvert, ouais, on va sûrement amener une bâche parce qu'on est obligé de mettre une bâche. Puis pour la fermentation, que ça se passe mieux, on fera ça, je pense, la semaine prochaine. Je verrai si je vous montre ça. Et puis du coup, voilà, c'était la troisième fois qu'on amenait ce fumier. D'ici le printemps, ça va aller encore un petit bout plus haut. Je vous invite à aller voir la vidéo quand on est pas dans le fumier en début d'année, comme ça vous verrez à quoi ça ressemblait à peu près. Le tas était vraiment assez grand. Et puis du coup, ben voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce tas ici en bas. Bon, ben là on se retrouve vers le tas que je vous ai montré avant, depuis notre tas de fumier. Du coup, ça c'est un tas qui a déjà été composté une fois, je crois bien, il y a peut-être deux. Vous voyez que c'est tout fin du coup, c'est tout bien mélangé, c'est tout fin. Là vous voyez qu'il a la bâche, il ne l'a pas remis encore. Ça, il pourra droit l'étendre au printemps, je pense qu'il ne veut pas le refaire encore une fois. Puis après il n'y a plus qu'à charger. Ce qui est l'avantage aussi, c'est qu'on peut charger ça du coup avec l'appel du Weidemann. Juste l'appel, tellement c'est fin, c'est assez simple. Puis du coup pour ça c'est pas mal. C'est vrai que du coup il y a pour moi que des avantages à faire ce système là. De plus, pour les graines d'adventice ou comme ça, comme les rumex, ben c'est ça la favorise qui meurt, du coup c'est toujours mieux. Et puis du coup, ben voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Ça, j'essaierai de vous montrer cette machine, j'essaierai de vous mettre une photo si j'arrive. Puis sinon je vous montrerai, j'espère, quand elle viendra, la machine chez nous. Ben j'essaierai de vous montrer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Du coup, ce tas ici, ben c'est celui de notre collègue là, que, où c'est qu'on a la benne, la monocoque, c'est à lui, le champ là, droit toute cette parcelle là du coup. Et puis ben du coup il met son fumier aussi ici, il fait la même chose que nous, et puis voilà, extra. Vous voyez que c'est un super temps aujourd'hui, on se croirait pas le 1er janvier. Là, bon ben du coup j'espère que cette vidéo sur le fumier vous aura plu, c'était pas hyper très détaillé non plus, j'avais pas non plus trop le temps. Quand on est tout seul, ça prend vite du temps. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite à vous abonner, à laisser un like, ça fait toujours plaisir, ça encourage toujours de plus en plus. Je vous remercie infiniment pour cette merveilleuse année, toujours de plus en plus à me suivre, ça fait super plaisir. Et puis ben, on se retrouve l'année prochaine. Aujourd'hui on y est déjà, 1er janvier 2022. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Et puis à très vite sur la chaîne. C'était Jérémy, à l'approche, ciao.